Bonjour, c'est Pierre. Salut, c'est Michel. Et on s'est lancé. Salut, c'est Joyka. Ah non, c'est Mastiff. Salut, c'est Vodka. Ah non, c'est Maria. J'avais prévenu Farod que ça allait pas être facile de tout sous-gérer. Ok, très bien. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Deuxième épisode du Cache Cache. Je ne suis pas seul. Je suis avec plein d'autres youtubeurs. Vous avez compris que ça va être un gros délire et ça va pas être très très facile pour filmer ça aujourd'hui. Madiba, Mastu, Neoxy, Tartinex, Joyka et derrière Vodka. Du coup, ils vont se cacher dans la structure de la Red Box. Ils ont 5 minutes pour se cacher. J'ai un quart d'heure, 20 minutes pour les trouver. Attention, c'est parti. J'ai un autre truc aussi, c'est qu'on va prendre les skates, se coucher sur les skates et aller sous le skate park tout au loin. Et au pire, on peut aussi ouvrir le skatepark, on se met tous dedans, il y en a un qui nous ferme, comme ça il se dit bah non, il y a un cadenas, on n'est pas dedans. Ou alors encore mieux, on laisse ouvert, il rentre et on l'enferme dedans, et comme ça bah il passe une vidéo de merde parce que ça coincé. On y va à deux mecs, sous le skatepark. Vas-y, on prend un skate. On va aller sous le skatepark avec des skates, ça va être trop marrant, lol MDR. Pas de cacher où mec? Moi j'ai une idée, tu mets derrière le rideau. Dans le carton, tu mets derrière, cacher dans le carton. Mec, c'est bon, en plus il a bu tout à l'heure le carton. Putain. Mec, oh merde. Bon courage. Voilà Mixem qui ne participe pas à cette vidéo. Non, car. Je sais pas du tout où aller. Je vais me cacher là. Le rideau de Mastu. Je vais être en PLS. Juste là. Je vais me cramer à 100 000. Eh, tu sais quoi? Mec, local à carton. Local à carton? Quoi, dedans? Ah, mais ouais, mais carrément. Eh, j'ai trouvé une putain de cachette. En gros, là, je suis dans la benne à carton. Et là, il y a un carton. Et je vais le mettre sur ma tête. Comme ça, quand on ouvre la benne, on ne verra pas. Et là, je suis dans un carton, à l'intérieur de la benne à carton. C'est incroyable. Je peux te prendre un tes skateboard? Oui. Ouais, t'as dit oui, je crois. Hein. Bah, allez, salut. C'est pas bien, ça tombe bien. Parfait. Ouais, mais je pense qu'il a juste à se baisser, il nous repère en fait. Pff, mec, c'est là, tu te baisses, tu vois tout le skatepark. Hein. Oh, mec, une escalade là-haut et on se couche. Oui, vas-y, on fait ça. Vas-y, on fait ça. Attends. Ils sont en train de se foutre au-dessus du skatepark. Mais en vrai, ils ont une bonne idée. C'est des cons, ils se sont tous cachés dehors. Du coup, il allait chercher dehors. On a bien, je pense, 20 minutes à rester ici tranquille. En fait, on est tous cachés dehors, j'ai l'impression. Du coup, 5 minutes que j'ai attendu, donc c'est parti. Alors, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, vous voyez, c'est un peu le bordel, c'est la Red Box, c'est un peu comme une grande boîte, donc il y a plein de choses, mais il n'y a pas énormément d'endroits pour se cacher. C'est l'endroit où il y a tous les studios de certains youtubeurs, c'est l'endroit où aussi il y a des salles de réunion, des salles de montage, on va essayer de ne pas trop gêner les gens. Et normalement, il n'y a pas trop d'endroits pour se cacher. Il y a des cachettes, il y a des douches, il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur par exemple. Il y a un skatepark, il y a un extérieur, ils ont totalement le droit d'aller en extérieur. Je vérifie vite fait les toilettes juste pour être sûr, hein, qu'il n'y a pas un idiot caché quelque part. Oh, ça va fou. On va faire tous les studios un par un. Ici, nous avons le studio de Neoxy, du coup. Alors, y a-t-il quelqu'un? Non. Ok, studio de Neoxy, apparemment, personne n'est venu. Ici, studio, y a personne sous le canapé, normalement? Non. Personne ici, on essaie de se dépêcher. Là-dedans, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le carton? C'est terrible. Madiba dans le carton, tu es nul. T'es le premier à qui j'ai trouvé. Ouais. Ouais, je suis content. Ça fait quoi d'être le premier trouvé et d'être déçu? Ça me permet de sortir plus vite, c'est cool. Je continue à faire les studios un par un ici, le studio de Mastu du coup. Oh putain, s'il y a quelqu'un caché derrière le rideau, mais c'est tellement, mais tellement triste, attention. Bonsoir. Oh, putain, je les enchaîne, je suis en train de gagner quand même. Eh, et aussi. Ouais. Oh non mec, mais ça a tremblé de ouf. Oh putain, moi j'aurais été vous, je serais venu me mettre dans les... derrière le vaisseau spatial ou quoi. Y a pas vraiment d'endroit pour se cacher dans son studio à lui, je crois. Il a une bonne cachette, ça aurait été derrière mon décor, mais c'est le bordel pour y aller. Le vaisseau spatial est pas collé au mur, donc du coup y'a peut-être moyen que quelqu'un se soit mis. Et personne s'est mis. Tu crois que quelqu'un est allé jusqu'au derrière? S'il y a quelqu'un derrière, ben c'est bien caché hein. Mec, c'est une blague? Oui, quoi? Mec, ça sent vraiment la merde. C'est pas possible. Pourquoi ça sentirait la merde? C'est une benne à carton. Oh putain, mais mec, si ça pue la merde. Ici, studio de Amixem, s'il y a personne, ok. On regarde rapidement un petit peu. Mais tu l'as alors de commencer ou ça fait 5 minutes? Ouais, en vrai là je suis en train de faire une bonne performance. Il est dans le studio de Maxime, il a déjà trouvé Tartin. Il y a Madiba qui regarde, il a trouvé Madiba et Tartin. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui allait se mettre sous le skatepark. S'il y a quelqu'un qui s'est mis sous le skatepark, c'est chaud. On va aller voir ça juste après. D'abord je finis tous les studios d'enregistrement de chaque youtubeur. Oh, il y a Farod mec. Il est derrière le skatepark de l'autre côté. Extérieur de la Red Box, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a un grand skatepark qu'a construit Vodka de ses propres mains, tout ça, le mec est chaud. Je vais monter dessus, je vais regarder s'il y en a pas un qui s'est caché, tu sais, genre à plat ventre, tu vois, pour, comme le skatepark est un peu grand et que moi je suis un peu petit, il aurait pu en profiter pour se cacher. On va monter à une main, attention. Ah, ok, non. Je vois personne. Putain les gars, je suis pas bien. Vous en avez vu vous ou pas? Non, on n'a pas vu. Vous avez vu personne? Je viens vraiment de voir Farod. Il m'a regardé, il a pas capté. Il est vraiment débile. Enfin, peut-être pas sa faute, hein, mais... Personne est venu dans... Même pas dans la malle. Putain, mais les gars, vous êtes allés où là? Sans déconner. Je crois qu'ils sont allés dans la poubelle en vrai. Non. Putain,
Ouais, c'est pas possible dans la red box parce qu'il n'y a pas assez de. J'ai vu des jambes de quelqu'un. C'est qui? J'ai vu les jambes, tu peux sortir. C'est qui? Putain. Oh mec, Néoxy! Mais t'es trop chaud, putain, t'as du courage de ouf d'avoir fait ça. Sans déconner. Je te jure, horrible. Il y en a pas un deuxième à tout hasard qui est venu se cacher du coup? Putain, non, y'avait personne là. Putain, y'a un mec là. Non! T'arrives à sortir? Ah, il est si bon, oui. Je l'ai trouvé. Et là, vraiment, je vois Madiba qui fait du skate en bas, il nous voit vraiment pas. Ah, oh, Mastu. Ouais. On est les meilleurs. Ouais, mec, de ouf. Ils nous trouveront jamais. Regarde-les, ils sont en train de griller. Ils sont en train de griller au soleil. C'est pas bien parce que j'ai tout fait. Donc, qu'est-ce que ça insinue? Ouais, j'allais dire, soit ils se sont déplacés de cachette, hein, donc je dois tout revérifier depuis le début. Ça serait très chiant. Toi, il y a clairement des endroits de la Red Box que je pense ne pas avoir le droit d'aller. Indice? Ouais. Indice 50. 50. Indice 50. C'est comme la crème solaire, quoi, indice 50. Indice 50. Ça veut dire qu'il est complètement, dehors. Il a complètement chaud. Il est au soleil comme un taré. On est dehors. J'ai pas beaucoup de solutions, donc je vais contourner le skatepark Unicorn en fait. Parce qu'il y a un petit chemin. Le skatepark est pas collé aux grilles en fait. Donc il y a un petit espace juste là. Et putain, y'a personne. Je dirais indice 50. Putain, ils me l'ont déjà donné cet indice. Bah ouais, franchement mec. Très forte chaleur, subir la chaleur. Voilà. J'ai tellement pas la ref. Y'a une porte secrète au skatepark, genre une entrée. Y'a un truc caché que genre personne connaît, mais y'a une entrée quoi. Il me reste une minute. Je me sens trop con, mais tu me sens trop con. Il est visible, tout le monde peut le voir apparemment. Ah oui. Bravo, félicitations, bravo. Ça c'est un magnifique plan que nous avons actuellement. On était actuellement tout en haut du skatepark Unicorn, du coup Farod est juste là-bas. On a gagné avec vodka, c'est magnifique. Ah, on est les champions. J'ai perdu. J'ai clairement perdu ce cache-cache, j'ai perdu. Bon, eh bien, c'est le verdict de la vidéo. Vous avez les grands gagnants juste derrière moi. Et félicitations à eux, ils ont gagné, j'ai perdu. Donc du coup, étant donné que j'ai perdu, je délègue ce pouvoir de faire des cache-cache sur sa chaîne YouTube à celui qui voudra parmi les gagnants. Maintenant, je vous retransmets le concept. Si c'est pour regagner. Tu verras que quand tu vas chercher, ce sera pas aussi facile. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Désolé si j'ai pas été bon et que vous les avez vus. En tout cas, bravo, vous pouvez vous applaudir s'il vous plaît et vous féliciter parce que vous avez été plutôt pas mal. Bravo à tous et à très bientôt sur YouTube. Bisous. Salut. Ciao. Ciao.